Alors, bon mercredi tout le monde. Dans le mois de novembre, mon équipe et moi, on a décidé de travailler pour toutes sortes de différents organismes. Puis je savais pas lequel choisir. Je voulais quand même un organisme qui donnait quelque chose d'heureux, tu sais, de positif. Et puis là, je suis tombée sur le journal à Saint-Hippolyte. L'organisme de Saint-Hippolyte, justement, veut envoyer le Père Noël chez tous les gens de la région pour donner des cadeaux aux enfants. Et je me suis dit, c'est vraiment une belle. Tu sais, ils ne demandent même pas de l'argent à rien, là. Tu sais, c'est vraiment tout bénévolement. Fait que je me suis dit, parfait, c'est l'organisme que je choisis. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est dans le mois de novembre, c'est que si jamais vous voulez donner tout simplement, parce que j'ai appelé l'organisme ce matin et ils m'ont dit c'est vraiment gentil de faire ça parce que justement, normalement, les organismes comme ça font des levées de fonds durant l'année pour ramasser des fonds justement pour leur activité. T'sais, normalement, ils faisaient comme chose de crabe là, à l'été, ils faisaient un barbecue, tout ça. Puis cette année, ils n'ont pas pu le faire. Donc, ils apprécient énormément. Fait que si jamais tu as envie de donner de l'argent, tu peux simplement me faire envoyer ça par virement sur mon cellulaire. Moi, je vais tout accumuler. Et j'ai aussi mis un lien. J'ai ouvert une présentation. Fait que si, mettons que tu aimerais magasiner, tu aimerais t'acheter quelque chose, bien tant mieux. 25% des ventes, je vais le remettre à la fin du mois de novembre à l'organisme. Moi, ça m'a vraiment touchée. Eux autres, c'est plus positif. Ben, dans le sens, c'est des cadeaux, des choses comme ça, mais moi je me souviens d'un hiver, puis je pense que c'était l'organisme, je sais pas qui est venu, mais en tout cas un Noël chez ma famille, on n'était pas dans les moyens, fait qu'on n'avait pas de cadeaux, mais je me souviens qu'à un moment donné on a entendu cogner à la porte, on a ouvert la porte et puis c'était tout simplement un panier. Et dans le panier, il y avait toutes sortes. On avait chaque enfant, je pense qu'on était peut-être 8 à l'époque. Chaque enfant avait un cadeau. Puis moi, je me souviens, c'était des gants d'hiver que j'avais eus. Puis ça a été tellement un super de beau cadeau. Je l'ai vraiment apprécié. Puis c'est justement, c'est un organisme comme ça qui est venu porter parce qu'on était dans le besoin. Alors, je trouve que c'est important de donner au suivant. Si vous êtes dans les moyens, si vous ne l'êtes pas non plus, puis que vous avez besoin d'aide, il y a des organismes qui sont là pour aider tout le monde, surtout dans ce temps-ci. On dirait qu'on y pense plus. C'est probablement parce que c'est Noël qui approche. Mais il y a des gens, c'est ça, qui sont dans le besoin, comme que des gens qui sont dans l'abondance. Et c'est important de donner au suivant. Alors, si jamais vous voulez participer, ça va me faire plaisir. Vous pouvez commander soit en ligne sur le party ou simplement me faire un virement. Et tout le pourcentage va être remis à l'organisme de Saint-Hippolyte que j'ai choisi. Alors, je vous remercie. Et n'hésitez pas à partager tout simplement ce vidéo avec le lien. Passez une belle journée et merci d'avance. Bye!